Salut à tous, nouvel épisode sur One Piece Treasure Cruise. Et donc, on m'avait rien dit, hein. Il y a le boss battle carrément parce que. Donc aujourd'hui, on a Mihawk. Demain, Dunflamingo. Lundi, donc lundi prochain, on aura Ivankov. Et mardi, on aura Ener. Donc ça en fait du boss battle. Donc moi, j'ai déjà capturé Mihawk et Dunflamingo. Hein. Donc Mihawk, j'y suis allé avec le combo Vivi. Et la Boone, voilà. Et Dunflamingo, je l'avais fait avec double Gear Third. Donc ça doit passer aussi avec des personnages style Barbe Noire, Chopper Monstre, ou des leader skills peut-être moins puissants, mais toujours dans le type Strange. Parce que Mihawk, de toute façon, et Dunflamingo sont de type Dex. Donc on va y aller vraiment avec du STR, du Strange, du Rouge, voilà, du Feu. Et donc Ivankov, je m'étais fait défoncer la face quand il était arrivé la première fois. J'avais pas réussi à le tomber, en même temps le perso est pas génial, mais bon, j'aimerais bien quand même réussir à finir ce défi. Et donc après Ener, c'est pareil, je m'étais fait défoncer, mais j'avais pu tenter qu'une fois en fait, parce que... J'étais pas mal occupé à ce moment-là, donc je ferai une vidéo, je pense, la prochaine de One Piece, ça sera sur Ener. Si j'en fais pas d'autres avant, hein, sur les events en cours, mais au niveau des boss, ça sera vraiment Ener, mon principal objectif. Et donc, je vous ferai partager ça en vidéo. Donc là, on est sur Mihawk, donc on va pas faire du Laboon Vivi, hein, parce que sinon, la vidéo va durer peut-être 2 heures. Mais donc si vous voulez capturer Laboon et Vivi, hein, les deux sont au cap jumeau. Donc je sais que Laboon, c'est le dernier et l'avant-dernier. Donc c'est deux niveaux, le 9 et le 10. Pour Laboon, la première fois que j'ai fait, je suis mort. Je m'en souviens, hein, je suis mort. Et donc la deuxième fois, je suis mort aussi. Je me suis fait putain quand même. Et donc en fait c'est parce que il faut se laisser taper une première fois avant de lancer donc marteau pipeau pour ajouter beaucoup plus de tours. Et donc quand on arrive à ces 20%, comme ça on évite sa grosse attaque parce qu'on a beaucoup plus de tours pour jouer. Donc faites-vous taper une première fois et lancez marteau pipeau ensuite. Voilà. C'est le petit conseil sur la Boone. Alors Vivi, je sais pas où elle est exactement. Je crois que c'est le duo mystérieux ou la femme mystérieuse, c'est le 5 ou le 6 ou les deux peut-être. Enfin voilà, et donc il y a Vivi pareil, mais bon, faut l'évoluer pour qu'elle soit vraiment intéressante, alors que Laboon est intéressant dès le début. Alors le mieux c'est bien sûr d'avoir les deux, pour avoir du choix au niveau des amis, mais techniquement un seul vous suffit, un seul des deux, parce qu'après ça dépendra en fait des amis que vous avez donc dans votre friend list pour équiper, donc pour faire votre duo Vivi Laboon. Donc nous, on va s'intéresser à Mihawk. Donc je détaille pas mes unités, parce que en fait, il n'y en a qu'une de bien. Enfin, il n'y en a qu'une de bien, non. Pas forcément, hein. Mais j'ai surtout pris, donc, 3 unités importantes. La première, c'est forcément Luffy Gear Third. Donc Steam Goliath, hop. Chez Party. Donc Luffy Gear Third obligatoire, hein. Non, c'est pas obligatoire, mais c'est ce qui rend la vie facile. Donc forcément faut l'avoir. Tous mes personnages sont en moyenne au level 50. Luffy Gear Third 94. On se demande pas pourquoi. Après il y a Arlong. Max de dégâts, c'est uniquement pour ça. Hein. On va pas trop parler des spéciales parce qu'on n'en utilisera quasiment aucun. Donc c'est vraiment des stats, hein, des stats attaque qu'il faut. Franchement, Arlong, il déchire et est capturable assez vite puisque c'est le dernier boss en fait du Arlong Park. Après, donc ça c'est pareil, hein, c'est de l'attaque. On peut très bien remplacer par d'autres. Hein. C'est parce qu'il manque des unités qui ont assez facilement de l'attaque dans les types Strange. Ce qui est normal, hein, vu leur type. Après, j'ai pris donc Alvida
non pas pour Mihawk, mais pour le round juste avant. Vous verrez, en fait, il y a plein de monstres qui ont un seul tour. Et donc, comme je suis pas sûr de les tuer tous d'un coup, je lance Alvida, en fait, donc à l'avant-dernier round, pour être tranquille sur le boss et pas perdre trop de HP. Après, bon, Marteau Pipo, on le... Enfin, Usopp Marteau, hein. C'est Glénat qui m'a mis Pipo dans la tête quand j'ai lu les mangas, donc forcément des fois je me plante. Lui c'est le personnage qu'on va voir partout, hein. Ça je le dis à chaque vidéo, mais forcément, hein, forcément c'est le meilleur personnage du jeu, hein, qui rajoute des tours donc à l'ennemi. Et donc voilà, et donc on est par... Est-ce que je change de bateau? Parce que Mihawk tape... d'entrée de jeu, alors suivant comment je suis en arrivant à lui. Non, on va faire sans le bateau qui redonne des HP. Donc avec, je montre, hein, c'est le Vogue Mérite Radi. Hein. Comment on change? Ah, on peut pas directement. Donc, chantier naval, voilà. Donc qui rajoute des HP, bon ça c'est 300 HP, c'est toujours bon à prendre. Hein. Mais surtout 1,5 d'attaque en plus, alors que le bateau, donc... qui redonne des HP, donc qui soigne de 350 HP à la fin de chaque tour, lui n'augmente que de 1,2. Donc comme on est quand même dans une équipe attaque, je me perds dans les menus, voilà. Donc comme on est quand même dans une équipe 100% attaque, je vais essayer déjà de pas foirer mes perfects, hein. C'est pour ça que j'ai pris donc surtout Fossa, parce qu'il a un timing assez facile. Enfin, ça se trouve, je vais le foirer, mais il a un timing assez facile pour enchaîner les perfects. Donc, avec Usopp, Alvida et Fossa, généralement, je m'en sors assez bien. Donc, c'est parti, hein, c'est parti. Normalement, le run ne devrait pas durer trop longtemps. Hein. Devrait pas durer trop longtemps, mais sait-on jamais. Hein. Et je vous préviens tout de suite, je vais pas utiliser de gemme. Hein. Donc, c'est parti. Donc, voilà. Allez. Donc, concentration. Allez, hop. Voilà. J'ai réussi mes perfects. Et... Voilà. Bon, j'aurais peut-être pas dû y aller comme un bourrin, au moins en laisser en vie pour gagner un tour. Alors là, faut descendre au moins deux tortues. Parce que elles font mal, mine de rien. Elles font super mal. Tac. Donc... On va s'attaquer à la deuxième. Je m'en fous un peu des perfects. Hein. C'est surtout pour... Voilà. Hop. Là, on l'a fini. Et je vais me laisser taper qu'une fois, je pense. Par la tortue qui reste. Hop. Cette petite tortue. Tu vas travailler. Allez. Voilà, 1000. Donc elles font 2500, donc si j'avais passé les tours normalement comme n'importe quel donjon, je me serais pris 7500 de dégâts dans la gueule. Ça fait mal. Donc là, on passe gentiment et on l'achèvera au prochain tour en récupérant de la viande. Donc on va y aller rapide, attention. Hop. Voilà. Donc j'ai récupéré quand même pas mal, j'ai passé quelques tours, gentil. Donc lui, il tape cash. Voilà, espèce de méchant, hein. Donc, on y va gentiment. Voilà. Là, on va lancer Usopp. Voilà, il fait pas trop de dégâts. Faut pas qu'il ait le bon cercle, hein, sinon il hausse. Le petit pingouin, ça c'est good. Déjà on a eu Usopp de rempli, ça c'est vachement good. On va récupérer de la viande pour achever donc le pingouin. Cool. Ah non, mince, ah, je me suis repris d'HP. Ah, je suis nul. Bon, et là forcément je vais pas pouvoir passer de tour sur les trois tours qui lui restent. Donc je récupère un peu de vie. Ah, dommage. Bon, j'ai quand même gagné un tour. Donc là j'ai Alvida. Voilà, c'est ce fameux round. Donc Alvida, là, je vais la lancer. Pour conserver des HP, parce que, donc je disais, Mihawk, en fait, attaque d'entrée de jeu. Donc c'est pour ça. Donc, déjà,
le petit hippocampe. Ah bah, ah zut. Je me suis dit tiens j'allais finir, bah non. Non non non. Donc je vais pouvoir récupérer quelques HP. Pouvoir récupérer quelques HP. Tac tac tac. Donc voilà. Donc le boss Mihawk. 4 tic-tac d'entrée de jeu. Voilà. Donc ça, ça fait toujours plaisir. Là, on lance une sub direct. Hein. Et le but du jeu, c'est de le tomber en moins de 4 tours. Alors, c'est parti. Oh, déjà, ça commence bien. Là, j'ai complètement foiré. Hein. Il suffit que je fasse des vidéos pour que je foire. Hein. Donc... Bon, là ça va à peu près. J'ai pas eu tous mes perfects, mais ça va à peu près. Allez. Et voilà. Vite fait torché, vite fait bien fait. Voilà la technique en fait qui prend 2-3 minutes. Et après, donc il y a la fameuse technique avec Vivi et Laboon. Et là vous en avez pour 1h30, 2h facile. Hein. Mais au moins, avec une équipe de merde, donc vous pouvez le faire tranquillement. Donc je vous mettrai quand même, pour être sûr, hein, dans la description, les quêtes pour Vivi et Laboon. Et je vous mettrai aussi le lien de OPTC Guide, qui normalement devrait linker pas mal de vidéos qui sont déjà sorties, donc avec plusieurs types d'équipes. Donc bah voilà. Moi je vais pas faire le Sugofest parce que ben j'ai pas envie de racheter des fruits là, et parce que j'en ai que 20, et donc je vais pas. Je préfère conserver pour un autre Sugofest peut-être plus intéressant pour moi, parce que ça. Là en fait c'est tous les personnages qu'on a déjà eu en Sugofest, et mis à part donc les 6 étoiles, j'ai presque tout. Donc ça. Il m'intéresse moyen celui-là. Donc j'attendrai un prochain. Peut-être où il y aura Shanks dans l'illustration, parce que c'est un personnage que j'aimerais beaucoup avoir. En parlant de Shanks, donc en ce moment, sur l'île bonus, il y a le donjon donc de Shanks et Baggy. Voilà. Et un truc intéressant, en fait, c'est que Shanks est capturable. Bon, ça, c'est... On l'avait compris. Mais ça permet d'augmenter donc les petites boules de compétences de tous les Shanks, donc que ça soit celui 6 étoiles ou celui 5 étoiles. Donc même si le personnage est bien sans plus, je veux dire, il y a vraiment un intérêt à en farmer plein pour augmenter si on a un Shanks avec des étoiles supérieures. Voilà. Bon, Baggy, après, je ne l'ai pas encore capturé en fait. J'ai capturé que Shanks, qui est censé être le plus dur à capturer, mais pour l'instant, j'ai capturé que lui. Alors, il est où? Il est where? Le petit Shanks. Ah, il est là. Voilà. Mon petit Shanks. Donc, jeune. Hein, jeune. Et donc, Baggy, je ne l'ai pas encore capturé. Mais de toute façon, je vous reparlerai de ça si je fais une vidéo. Je ferai sûrement une vidéo sur ce donjon. Parce que il est très facile. Donc, je suis sûr de ne pas crever. Celui-là est un peu plus dur. Mais complètement faisable, en fait. Si on se démerde bien, le tout, c'est d'éviter ces 15 tours de lock, quoi. Enfin, voilà. Donc, je vous dis un prochain épisode, et salut tout le monde.